Il n'y avait ni lune ni étoile ce soir-là. La luminosité s'était éteinte et le ciel ne parlait pas. Il n'y avait plus de couleur ni de forme. Les dunes et les arbres avaient fondu dans le noir sidéral. L'univers obscur avait tout avalé. Je tournais les yeux partout pour traverser les ombres et je psalmodiais des sourates pour conjurer les djinns de la nuit. Le tambour des larmes, c'est l'histoire de Rehana, qui est une jeune femme d'origine bédouine et qui vit en Mauritanie, donc dans le désert mauritanien. L'histoire est qu'elle se sauve de son campement en emportant avec elle le tambour sacré de son clan. Et pourquoi fait-elle ça? Simplement parce qu'elle veut se venger en quelque sorte de ses aînés. Elle a été séduite puis abandonnée par un homme et elle a eu un enfant. C'est quelque chose d'impensable dans sa culture et donc on lui a arraché son enfant. C'est en quelque sorte une tragédie et on retrouve ce personnage qui court, qui court, qui court tout le temps à la recherche de son enfant et aussi avec ce tambour qu'elle a volé et qui signifie, si vous voulez, le refus de certaines traditions de sa culture, de son campement. Alors, la narration a beaucoup de flashbacks, c'est-à-dire qu'on oscille tout le temps entre le présent, qui est sa quête éperdue, et le passé, qui est sa vie, la vie qui avait l'air heureuse pourtant. Alors, pourquoi le tambour des larmes? Justement parce que, en fait, c'est un roman qui est triste et beau à la fois, mais qui montre combien le personnage souffre dans cette quête, dans ce désir de liberté. C'est un objet sacré qui ne doit même pas toucher la terre. Et surtout, une femme ne peut pas posséder ce tambour. Donc, par son acte, elle brise tous les tabous possibles et elle apporte une certaine malédiction qui va s'étendre sur son clan. Berouk écrit toujours avec beaucoup d'amour pour sa culture, mais je crois qu'il a suffisamment de clarté pour voir qu'il y a des traditions qui doivent disparaître, qui sont devenues anachroniques. Donc, en quelque sorte, le personnage féminin là, devient un personnage porteur de régénération. Rehana n'est pas pour moi une féministe, parce que je n'emploierais même pas ce terme, parce que je trouve que ça va clasher avec la culture que Berouk essaie de nous faire connaître. Je pense qu'il a eu, si vous voulez, l'intelligence de passer par l'émotion, c'est-à-dire que tout le monde peut comprendre la douleur que ça peut être pour une mère d'être séparée de son enfant comme ça brutalement. Tout le monde suit la douleur de Rehana. Et c'est à travers l'émotion qu'il va réussir à nous montrer que ce désir de liberté est justifié, ou en tout cas ce désir d'épanouissement est justifié. Et c'est comme ça qu'il va s'y prendre. Et je trouve que c'est 100 fois mieux que s'il utilisait une théorie ou s'il rentrait dans un courant féministe. Ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai beaucoup apprécié dans son écriture et qui m'a vraiment étonnée, c'est le fait que ce soit un écrivain masculin, enfin c'est un homme, et il va réussir à rentrer dans la peau et dans la tête de ce personnage-là avec beaucoup de sensibilité, et à tel point que ça remet presque en question toute la problématique de écriture féminine, écriture masculine. Voilà, est-ce que justement cela ne nous montre pas que c'est finalement l'écriture, c'est une question d'empathie. D'abord, comme je l'ai dit, c'est un livre empreint de poésie, donc c'est magnifique, on s'émerveille par rapport au style et à la langue. Puis aussi parce que c'est un personnage féminin peint par un écrivain masculin et qui est d'une grande sensibilité. Et puis aussi parce que Berouk a des identités hybrides. Lui-même, la Mauritanie est faite de brassage et donc il y a tout ce brassage-là qui ressort aussi dans son écriture. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il arrive à critiquer, entre guillemets,
sa culture, tout avec respect et amour.